Donc Samy m'a demandé de vous présenter, bon là c'est un exemple de projet, il y a 74 slides, je ne vais pas tous les faire, je vous rassure, mais vous présenter en fait l'utilisation du calcul de la taille d'échantillonnage qu'on demande à chaque fois pour chaque projet, à tous les Greenbelt qui font des projets. Donc là j'ai un exemple, mais systématiquement on demande de vérifier la taille d'échantillonnage souvent dans la phase de mesures pour savoir si on a assez collecté de données, mais essentiellement dans la phase de contrôle pour savoir combien de l'eau on doit produire pour prouver que l'amélioration est bonne. Donc là, j'ai pris ce projet-là qui est un projet qui est sur l'extraction des immunoglobulines du plasma humain qui est fabriqué, donc on reçoit des pâtes de plasma qui viennent du monde entier. Et à partir de ces pâtes, on va les purifier et on va tirer les immunoglobulines qui sont les anticorps qui sont injectés après pour les cancéreux, pour faire les défenses immunitaires. La problématique là, c'est qu'on a différentes sources de plasma qui viennent des États-Unis, d'Europe et puis d'Asie. Et les donneurs ne sont pas les mêmes, parce qu'on est tous différents. Donc on a une très grande variabilité sur le don. Également aussi les centres de prélèvement et les règles de prélèvement sont différentes suivant les pays. C'est-à-dire qu'il y a des préleveurs, des personnes en France, c'est interdit, mais qui sont payées pour donner leur plasma. Donc elles vont donner plus rapidement leur plasma et leur qualité de plasma est moins bonne. Donc notre problématique, en fait, c'est parmi la phase de purification, c'est d'extraire le maximum d'immunoglobulines des plasmas qu'on reçoit pour avoir le maximum de médicaments au final. Donc ça, c'est juste le contexte. Une des problématiques, c'était de prouver que suivant, donc, ces pâtes de plasma sont traitées dans différentes usines. Il y a des usines qui sont à Los Angeles, des usines qui sont en Italie, des usines qui sont à Vienne. Donc ces pâtes sont, du moins le plasma est traité, une première étape est faite, et à l'usine de Belgique, là c'est un cas de Belgique, les pâtes sont reçues congelées. Et puis après, il y a tout le process de purification. On voulait mettre en évidence, en fait, que suivant l'origine des pâtes, on avait une variabilité, en fait, à l'extraction des immunoglobulines G, des anticorps non différenciés. Et on a utilisé une ANOVA. Pour vérifier, le conseil qu'on donne tout le temps au Greenbelt, c'est toujours de vérifier la taille d'échantillonnage et d'être sûr, est-ce qu'on a assez, en fait, d'échantillons, de pâtes, de l'eau, pour prouver que les pâtes de Los Angeles ou d'Italie ou de Vienne sont différentes les unes des autres. Et c'est pour ça qu'on utilise systématiquement, parce qu'on peut très bien avoir une ANOVA avec une p-valeur qui soit égale à 0, c'est-à-dire significative, mais si on ne vérifie pas la taille d'échantillonnage, ça ne veut rien dire. Et on prend... Oui. Et donc le alpha est toujours bloqué, pareil, toujours à 95%. On bloque de façon, en fait, on essaye d'évaluer le risque bêta. C'est-à-dire qu'en risque bêta, si on se fixe forcément à 90 ou 95, on va avoir une taille d'échantillonnage qui va être très élevée. Donc on fait souvent, je demande en fait au Greenbelt, de faire plusieurs simulations et de se fixer avec des bêtas qui soient différents. Donc là, on a pris 0,70, 80 et 90, et de regarder la courbe d'échantillonnage. Avec des tailles d'échantillonnage qui peuvent varier de 98 à 62, suivant en fait le risque qu'on veut prendre. Plus le risque bêta est fort, du moins on veut prendre de risque en termes de risque bêta, forcément plus la taille d'échantillonnage va être élevée. Ça permet aussi à prendre la décision, parce que une fois que la modification est mise en place, il faut savoir au bout de combien de lots on peut être sûr que la modification a marché. Dans ce cas-là, il faut faire entre 62 et 98 runs de production, lots de production, pour être sûr que la modification pour extraire un maximum d'immunoglobuline G est efficace. Voilà. Donc le message derrière ça, c'est que systématiquement, pour que la qualité valide le projet et clôture le projet et valide que les améliorations ont bien été efficaces, on demande toujours un power curve et de vérifier la taille d'échantillonnage. La difficulté là-dedans, c'est de demander
souvent, quand on demande aux Greenbelt de faire ça, ils ne savent pas de définir la différence. À partir de quand on peut dire qu'on a l'amélioration? Si c'est à partir, je ne sais pas, de 1%, 2% ou 5%. Parce que c'est quelque chose qu'on doit rentrer pour calculer la taille d'échantillonnage. La taille d'échantillonnage se calcule par la variabilité, mais également aussi la différence qu'on veut voir. Et souvent, cette différence, pour les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas dire. Alors, ils se servent du business case la plupart du temps, mais des fois, c'est un peu difficile. Donc là, c'est un exemple sur est-ce que les usines sont différentes ou pas? Les sources des pâtes sont différentes ou pas? Parce qu'essentiellement, Los Angeles traite les pâtes, du moins le plasma humain qui vient des États-Unis. Rieti et Vienne, c'est le reste du monde. Donc là, ça nous permet de vérifier. Et j'ai un autre exemple également. Où est-ce qu'il est? Il est avant? Ah oui, là on l'a utilisé en fait, parce que vous avez deux façons de faire. C'est que vous utilisez l'assistant, donc là c'est utilisé dans l'assistant, ou alors vous utilisez directement dans le menu. Donc là c'est un autre exemple où on voit, c'est un peu présenté différemment, et on voit que en fait il faut être à peu près entre 60 et 90 pour avoir un power bêta qui soit assez bon. Et à ce niveau-là, on voit la taille d'échantillonnage suivant le power qui est fait. C'est une autre façon de présenter. Donc on le fait, je pourrais vous montrer plein d'exemples, mais j'en ai sélectionné un. On le fait souvent aussi pour les cartes de contrôle. Quand vous voulez travailler sur un projet pour diminuer la variabilité d'un process, vous avez le projet avant, du moins la variabilité avant et après, les améliorations. Donc on utilise aussi... Pareil, parce que vous pouvez l'utiliser aussi pour calculer la taille d'échantillonnage pour la réduction de la variabilité. C'est une fonction aussi d'un Minitab. Et on l'utilise pour savoir à partir de combien de loups on doit produire, pareil, pour démontrer qu'on a une amélioration de la variabilité. On le fait aussi pour les augmentations de rendement des productions. Si on veut passer de 95% à 96%, trouver le 1% supplémentaire, des fois c'est compliqué à le prouver. Et la plupart du temps, même en calculant la taille d'échantillonnage, on n'arrivera pas à le démontrer parce que c'est noyé dans le bruit, il faut une taille d'échantillonnage élevée. On le fait aussi, d'autres exemples aussi, tous les flacons, pour les flacons injectables, parce que nos produits après finissent dans des petits flacons comme ça de 10 ml, qui sont après remplis par une poudre et injectés aux malades. Ces flacons sont inspectés à 100% parce qu'il faut qu'ils soient parfaits puisque c'est de l'injection. C'est-à-dire qu'on fait également aussi des calculs de taille d'échantillonnage pour estimer en cours de production quelle est la quantité qu'on doit prélever pour vérifier la qualité des flacons. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est pour ça que Samy m'a demandé, parce qu'il savait que c'était quelque chose qui est très utilisé chez nous lors des projets mais également au niveau qualité. Merci. Donc pour revenir sur ce que Philippe a dit par rapport à ces illustrations d'utilisation d'analyse de puissance pour qualifier la taille de l'échantillon, moi je vais juste reprendre deux exemples qui permettent d'utiliser dans Minitab l'analyse de la puissance pour comprendre un petit peu comment on arrive à qualifier et à déterminer la taille d'échantillon qui soit suffisamment importante en vue de démontrer l'utilisation, par exemple, moi je vais me baser simplement sur l'utilisation de cartes de contrôle et l'utilisation d'un plan d'expérience pour voir un petit peu comment on peut déterminer, avant même donc de collecter les données, que l'on est à même de détecter correctement une variation définie sur le procédé et comment utiliser et exploiter ces outils d'analyse de la puissance pour arriver justement à déterminer ce type de problématique. Donc dans l'aspect, on a abordé plusieurs sujets tout au long de cette journée, et je vais revenir sur ces deux points-là en particulier, carte de contrôle et plan d'expérience, sachant que Philippe a illustré d'autres outils dans lesquels on peut utiliser également cette analyse de la puissance, les tests d'hypothèse, l'ANOVA, et il y en a d'autres encore, qui sont disponibles via ce menu
donc dans le menu stat, puissance effective de l'échantillon. Alors, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on va dire que les utilisateurs sont plus sensibles à ce type de problématique qu'il y a quelques temps en arrière. Et on commence, nous, souvent, dans la façon d'expliquer l'utilisation des outils et de ces tests statistiques, que l'important, d'abord, c'est de vérifier qu'on a collecté suffisamment d'échantillons. Comme ce matin, vous faisiez la remarque par rapport à valider les mesures au départ. Ben, de la même façon, quand on va faire un test statistique ou que l'on va construire un plan d'expérience, on va évaluer au préalable la taille d'échantillon. Est-ce qu'on collecte suffisamment de données pour arriver à démontrer avec suffisamment de précision un résultat et une conclusion, bien sûr. Donc c'est le but de ces outils. Et vous voyez donc qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà disponibles via ce menu et qui vont permettre d'aborder ce type de problématique. Alors je reviens juste sur premier exemple de carte de contrôle. Si je reprends, pour illustrer mon propos, donc le chapitre des cartes de contrôle via l'assistant, donc ça permettra d'avoir en même temps une aide visuelle sur ce dont je parle. Vous avez, par rapport au référentiel du manuel SPC de l'AIAG, à définir une taille de sous-groupe pour utiliser une carte de contrôle. Donc je pars simplement sur le principe des données continues. Donc c'est la partie tout à gauche en fait du graphique, quand on est ici. Et on nous dit ici d'utiliser soit une carte IEM, soit une carte X-bar-R, soit une carte X-bar-S. À partir de là, par rapport au choix de l'une de ces cartes, on me demande de collecter les données en sous-groupe. Donc données en sous-groupe. Alors dans l'assistant, donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces notions-là, je peux toujours revenir ici et afficher cette information-là de façon plus détaillée pour comprendre de quoi on parle quand on parle de données en sous-groupe. C'est-à-dire, est-ce qu'on va collecter une seule observation à la fois, donc je vais me faire comme ça. Donc une seule observation à la fois, ça veut dire que je vais collecter les données, mais pas sous forme de sous-groupe. Ou alors, est-ce que je vais collecter plusieurs observations à un intervalle de temps donné? D'accord. Donc là, l'illustration, c'est on prélève un échantillon à chaque fois sur un lot. Et là, on va prélever, par exemple, 5 pièces toutes les 2 heures. D'accord. Donc l'analyse de la puissance peut vous aider, justement, à déterminer comment on définit cette quantité de données à prélever à un instant T, pour ensuite définir le choix de la carte. Parce que de là, bien sûr, dépend le choix de la carte derrière et la capacité de la carte elle-même à identifier clairement une situation de procédé qui soit non stable et non maîtrisée, par exemple. Alors pour cela, donc l'AIAG a fait des analyses, des recherches, des simulations pour établir que le seuil de 8 unités correspondrait à l'utilisation donc de la carte X-bar-R, donc entre 2 et 8 pièces collectées à intervalles de temps donnés, on utilisera une carte X-bar-R. Donc la carte X-bar, c'est ce qui permet de mesurer et évaluer la variation de la moyenne de ces sous-groupes, et R pour range en anglais, pour évaluer la variation de l'étendue. Écart entre valeur maximum et valeur minimum. Et puis d'un autre côté, vous avez la carte X-bar-S, où là, dès lors que l'on va collecter davantage de données, et on a fixé le seuil à plus de 8, eh bien, on aura la carte X-bar qui caractérise la moyenne toujours, et la carte S qui permettra de travailler sur les standard deviations, donc c'est-à-dire les écarts-types, donc en termes de dispersion. Alors, la différence entre les deux, pour faire simple, c'est que l'étendue permet de prendre en considération, quelle que soit la taille de sous-groupe comprise entre 2 et 8, la variation exprimée par 2 des 8 valeurs, des 5 valeurs, des 6 valeurs, valeur maximum moins valeur minimum. Et la carte S, elle, permettra d'utiliser l'écart-type qui prendra en compte l'ensemble des données. Donc, à partir du seuil de 8, 9, c'est là où on constate des écarts plus conséquents entre les deux cartes, et c'est de là qu'on bascule d'une carte à l'autre, en termes de choix. Okay ? Donc, c'est juste pour préciser cela. Donc, maintenant, comment je fais pour choisir entre l'une de ces cartes ? Eh bien, il faut que je caractérise la taille de ce groupe que je vais utiliser par rapport à la capacité à identifier ou pas cette variation. Donc c'est de là où l'analyse de la puissance peut m'aider à faire cette démarche. D'accord ? Donc quand on utilise une carte de contrôle, que ce soit la carte IEM, X-bar-R, X-bar-S, le but c'est de voir comment, à travers le jeu de données que je vais, ou l'échantillon de données que je vais collecter, comment il va varier à travers le temps, cet échantillon, et à partir de là, comment cette variation va intervenir autour de la moyenne. Alors, vous avez eu déjà des illustrations de cartes de contrôle depuis ce matin. Donc, à chaque fois, on a parlé de moyenne. Donc, c'est une ligne qui est au centre de la carte. Et puis, on a parlé aussi de limite de contrôle.
Alors, je vais faire une version simplifiée pour, comprendre l'utilité de la carte de contrôle. Les limites de contrôle, on les établit à plus ou moins 3 écarts-types environ autour de la moyenne pour capter à l'intérieur de cet intervalle la variation qui permettrait de prendre en considération 99% environ de ma population. D'accord ? Donc, si tout fonctionne correctement, sans cause assignable de variation dans le procédé, on peut s'attendre à ce que la variation de 99% de ma population, à peu près, se trouve ou se situe à l'intérieur de ces limites de contrôle. C'est l'intérêt de la carte. Donc, à partir de là, quand j'utilise une carte unique, sur une caractéristique donnée, ça reviendrait à faire le même type d'analyse qu'avec un test T en échantillon, c'est-à-dire, je vais par exemple utiliser la carte pour voir si ma population elle est bien centrée sur une valeur donnée, qui pourrait être la valeur nominale. D'accord ? Donc là, j'utiliserai dans ces cas-là, via le menu de Minitab, stade, puissance effective de l'échantillon et test T en échantillon. Et à partir de là, sans forcément avoir, je dirais, d'informations préalables connues par rapport au procédé que je vais mesurer, que je vais contrôler, je peux utiliser cet outil-là pour comprendre un petit peu comment la puissance va varier en fonction des différents critères que je vais définir. Donc premièrement, dans cet outil, vous avez besoin de spécifier deux de ces paramètres, parmi les trois présents ici, pour que Minitab calcule le troisième, dans n'importe quel ordre. Donc là, on vous demande de trois choses, du moins. Il y a trois éléments dont on parle ici. Il y a la taille de l'échantillon, la différence qu'on souhaite détecter, donc c'est la variation qu'on veut détecter avec cette analyse, la puissance, donc la puissance, c'est ce qui va me permettre de dire si mon analyse sera suffisamment précise, et puis bien évidemment, l'écart type fait partie du calcul de la puissance, parce que ça va dépendre aussi de la variabilité intrinsèque du procédé. D'accord ? Donc moi, j'ai besoin de définir ici deux de ces éléments-là pour que Minitab calcule le troisième. Donc après, tout dépend de ce que je connais et de ce que je cherche à caractériser. Donc par exemple ici, je vais simplement saisir quelques valeurs pour illustrer justement l'utilisation de cet outil. Donc je vais rentrer quelques valeurs qui peuvent correspondre à des tailles de sous-groupes, sachant que là, on peut en rentrer plusieurs simultanément. Donc j'ai mis les valeurs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut bien les séparer par des espaces. En termes de différence, le but de ces cartes, c'est de pouvoir évaluer des variations qui correspondraient à plus ou moins une fois l'écart type autour de la moyenne, plus ou moins deux fois l'écart type autour de la moyenne, et plus ou moins trois fois l'écart type autour de la moyenne. Sachant que le but premier de la carte, c'est de détecter des points hors contrôle, c'est-à-dire qui sont au-delà des plus ou moins trois écarts types autour de la moyenne. D'accord ? Et l'écart type, même si je ne le connais pas, je veux dire que ici, je raisonne en termes de variations qui correspondent à un nombre d'écarts-types. Autrement dit, dans la différence ici, quand je regarde la valeur de 1, je veux dire que je veux détecter une variation qui correspondrait à une fois la valeur de l'écart-type, l'ordre de grandeur de l'écart-type. D'accord ? Quand je mets 2, je veux détecter une variation qui fait deux fois l'ordre de grandeur de l'écart-type et trois fois l'écart-type. D'accord ? À partir de là, je vais pouvoir générer ici, en utilisant la valeur d'alpha par défaut de 5%, ce qui correspond au niveau de confiance de 95%. Donc, l'ensemble des valeurs de puissance qui apparaissent dans la fenêtre session, ici, mais aussi une représentation graphique de ces puissances, avec la courbe de puissance, qui est peut-être un peu plus, utile à lire que d'aller regarder les valeurs de puissance en elles-mêmes, puisqu'elles vont me permettre de vous comparer l'ensemble de ces valeurs-là rapidement. Alors pour vous faciliter la lecture, je vais simplement faire un zoom sur la zone qui m'intéresse. Donc je vais modifier les valeurs minimum et maximum de mon échelle. Voilà, pour arriver à visualiser plus facilement l'ensemble de ces points. Donc tout à l'heure, je disais que le but de la carte de contrôle, c'est de détecter une variation qui serait au-delà de plus ou moins trois écarts-types. Donc, je n'ai pas de tableau là pour le montrer, mais le but, c'est si jamais j'ai un point qui sort en dehors des limites de contrôle sur ma carte. Cette analyse-là, elle va me permettre de définir quelle est ma capacité à la détecter, ou à détecter ce point-là. Donc, imaginons que j'ai un point hors des limites de contrôle. Donc, ça correspond en fait à une différence de trois fois l'écart-type. Donc, en abscisse, on a la différence que l'on veut détecter par rapport à la variabilité du procédé. Et en Y, on a la puissance. La puissance, ça va être à quelle probabilité, je vais être capable de détecter cette variation-là, compte tenu de la taille de l'échantillon qui est représenté avec des couleurs différentes. D'accord ? Donc, par exemple, si je regarde ce point-là, donc je ne sais pas si vous le verrez bien, mais je vais vous lire la valeur, c'est 0,26. Donc, ça veut dire qu'on a une puissance ici de 26%. En d'autres termes, ça veut dire que si j'ai un point qui est en dehors de mes limites de contrôle, j'aurai 26% de chance de le détecter seulement. Donc, en gros, une chance sur 4.
Et 3 fois sur 4, je ne serais pas capable de le détecter avec une taille de sous-groupe qui serait égale à 2. D'accord ? Donc pour arriver à augmenter la puissance, l'alternative la plus simple, puisqu'on peut jouer sur l'ensemble des paramètres, c'est d'augmenter la taille de l'échantillon. Alors c'est possible, et ce n'est pas forcément toujours le cas, mais cet outil-là vous permettra de justifier effectivement que si j'utilise une taille de sous-groupe égale à 2, ben ce n'est pas suffisant pour démontrer que cette variation-là, j'arriverai à la détecter. Donc après, c'est comme ça qu'on va pouvoir construire une carte qui sera adaptée par rapport à la problématique. Si par contre, j'utilise une taille de sous-groupe qui est égale à 3, la puissance, elle va augmenter à 74%. Donc ça veut dire que je vais multiplier ma puissance quasiment par 3. Donc je vais avoir 3 chances sur 4 de détecter cette variation-là et seulement une chance sur 4 de ne pas y parvenir. Alors dans la pratique, on utilise souvent le seuil de puissance qui est de l'ordre de 80%. D'accord ? Et puis après, bien sûr, plus on veut être précis, plus on peut augmenter jusqu'à atteindre la valeur qui se rapproche le plus possible de 1. D'accord ? Tout en sachant que, dans le même temps, vous avez aussi toujours ce alpha de 5% qui reste et qui demeure. Puisque quand vous allez utiliser votre carte, votre test, le alpha de 5%, il est défini. Que ce soit, ça peut être 5%, 1%, 10%, peu importe. Mais il est défini et il est associé à cette analyse de la puissance également. Donc vous avez d'un côté le alpha, qui permet de faire le test ou l'analyse. Et d'un autre côté, vous avez la puissance, qui est, elle, directement associée en fait au bêta. Le bêta, c'est le risque client. Le alpha, c'est le risque fournisseur. Donc, plus j'augmente la puissance, et plus je diminue le risque bêta. Donc, de pratique courante, on utilise souvent, c'est vrai, une puissance de 80%, parce que c'est associé à un risque bêta client de 20%. Après, on peut jouer là-dessus pour essayer de trouver l'équilibre par rapport, le meilleur compromis par rapport aux contraintes et par rapport aussi, éventuellement, à ce que vous vous accordez à faire avec votre client, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être discutées ou évaluées. Alors avec 3 comme taille de sous-groupe, ça reste encore un petit peu en dessous du seuil de 80%. Si par contre je passe à 4, donc là je prélève une taille d'échantillon égale à 4 à chaque fois, eh bien ça voudra dire que j'arriverai à détecter cette variation-là avec 96,7% de chance. Donc là ça devient déjà plus intéressant et on voit que dans ce cas-là, pour détecter une variation qui serait au-delà de ces 3, plus ou moins 3 écarts types autour de la moyenne, avec une taille de sous-groupe égale à 4, je vais y arriver le plus souvent possible. D'accord ? Alors après, trancher entre 4 et 5, ça peut se faire. Vous voyez, la puissance, si je monte à 5, donc je suis à 1. Donc quand je suis à 1, ça veut dire concrètement que je peux éventuellement détecter des variations qui sont encore un peu plus petites que celles que je suis en train d'utiliser ici. Donc ça veut dire que si je regarde la courbe de puissance, là j'arrive au seuil de 1, il faudrait que je redescende un petit peu pour arriver à voir l'ordre de grandeur jusqu'auquel je suis un petit peu en dessous de 1. Parce que 1, je ne sais pas à partir du moment où je passe à 1 et un petit peu en dessous, qui me permettrait de dire je peux détecter des variations éventuellement un peu plus faibles. Ça dépendra des situations, je ne vais pas généraliser sur ce résultat-là. D'accord ? Donc là, à choisir entre 4 et 5, c'est le contexte pratique qui va vous guider. Mais statistiquement, et en tout cas mathématiquement, vous avez suffisamment de précision et de capacité à détecter correctement cette variation si vous utilisez une taille de sous-groupe, qu'elle soit de 4 ou qu'elle soit de 5. Mais qu'elle soit de 4 ou qu'elle soit de 5, ici, au final, ça ne change pas le choix de la carte qui sera forcément la carte X-barrière. Et dans la pratique, c'est celle-là qu'on utilise très souvent. Alors, je ne dis pas qu'on n'utilise que celle-là, mais par rapport à ce contexte-là, ça serait plutôt la carte X-barrière qu'on pourrait utiliser. Et voilà comment on peut arriver à le déterminer aussi. Alors, si après, je cherche à détecter, puisque je disais tout à l'heure que l'intérêt de la carte de contrôle, c'est de détecter des variations qui seraient hors des limites de contrôle. Après, si on veut aller un peu plus loin aussi, on peut travailler sur de la variation qui est contenue à l'intérieur de... qui est contenue, pardon, ou qui s'exprime même au-delà des limites de contrôle à plus ou moins 2 écarts types, qu'on appelle plus communément les limites de surveillance, et aussi à plus ou moins 1 écart type autour de la moyenne. Donc à plus ou moins 2 écarts types, forcément, si on cherche à être un peu plus précis en termes de détection de variation, on va devoir utiliser une taille d'échantillon un peu plus importante. Donc là, c'est pour cette raison qu'on voit que la courbe de puissance, elle diminue par rapport à l'étape précédente. Et donc, vous allez retrouver ici une puissance qui sera de l'ordre de 17% seulement, avec une taille de sous-groupe égale à 2. Si je monte à 3, je vais avoir une puissance qui sera de l'ordre de 47%. Ensuite, 75% lorsque je suis avec une taille de sous-groupe égale à 4. Et à partir de 5, c'est là où on dépasse le seuil de 80% et qu'on arrive à un seuil de 90%.
Donc après, je peux choisir 5, je peux choisir 6 pour 97% de puissance. Je peux choisir au-delà. Mais après, encore une fois, c'est le contexte pratique, physique de votre procédé qui va vous imposer de choisir une taille de sous-groupe. Parce que une taille de sous-groupe égale à 5 ou à 6 ou à 7, c'est pas simplement que vous allez collecter un sous-groupe ou deux sous-groupes, vous allez devoir collecter un certain nombre de sous-groupes sur la durée pour arriver à mesurer correctement votre procédé et à évaluer cette stabilité, par exemple, de votre procédé. Et donc, c'est d'autant plus de pièces que de sous-groupes que vous allez collecter aussi. Donc après, là, est tout l'enjeu par rapport aux contraintes que vous avez en termes de temps, de coûts, etc. Mais en tout cas, on peut arriver à détecter correctement une variation ici avec cette différence de l'ordre de plus ou moins deux écarts types. Donc tout point au-delà des limites de surveillance, pour être clair, j'arriverai à le détecter correctement avec au moins 90% de chance si la taille de sous-groupe elle est de l'ordre de 5 pièces. C'est ça que ça voudrait dire. Donc encore une fois, ça nous amène vers l'utilisation de la carte X-barrière. D'accord, si je reprends mon diagramme de tout à l'heure. Et si je finis avec la dernière ligne ici, pour une différence qui correspondrait à une fois la variation de l'écart type, donc plus ou moins un écart type autour de la moyenne, ça veut dire que si je monte jusqu'à ici 10 pièces, donc c'est la taille de sous-groupe que j'ai utilisée au maximum, j'atteins le seuil de 80%, tout juste. Donc ça veut dire concrètement que si je veux détecter des variations encore plus faibles, donc qui se trouvent autour de plus ou moins un écart type autour de la moyenne, eh bien j'aurai besoin d'utiliser une taille de sous-groupe qui est certainement plus importante. Mais déjà, on pourrait se satisfaire de 80%, qui est un standard qu'on utilise habituellement. Si on veut faire plus, on peut l'utiliser, l'exploiter, l'outil de la puissance, pour chercher une puissance qui soit un petit peu plus élevée. Mais le choix d'une taille de sous-groupe égale à 10 ou plus fait qu'on s'orientera plutôt vers une carte X-barres à ce moment-là, pour évaluer l'étendue, l'écart type du moins, pour ce qui concerne la variation à l'intérieur de chaque sous-groupe, plutôt que l'utilisation de l'étendue. Puisque l'étendue peut être sensible, par exemple, à l'existence d'une valeur aberrante potentielle dans un des sous-groupes, alors que la carte S, elle va être plus robuste parce qu'elle prend en compte l'ensemble de l'échantillon du sous-groupe pour qualifier la variabilité à l'intérieur de ce sous-groupe. Donc voilà comment on peut associer l'analyse de la puissance dans le contexte de la carte de contrôle pour arriver à déterminer précisément si la carte elle aura la capacité, par rapport à la variabilité du procédé, à détecter correctement une certaine variation. Et donc, cet outil-là peut vous aider à choisir parmi l'une de ces cartes pour analyser et, on va dire, évaluer votre procédé à travers le temps. Alors, ensuite, j'ai un deuxième exemple. Parce que toujours pareil, on a la contrainte du temps, donc je vais essayer de faire avec. Donc là, j'ai simplement... c'est pas celui-là. J'ai repris un exemple dans lequel je vais m'appuyer sur quelques slides juste pour expliquer le contexte, pour que vous puissiez voir l'ensemble des informations, parce que c'est pas forcément évident. Si je vous le lis depuis temps blanc, vous allez peut-être pas retenir toutes les infos importantes à voir. Donc ici... Donc j'ai pris un exemple qu'on utilise souvent en formation d'ailleurs, c'est un fabricant de four en acier qui nettoie son produit pendant les phases de production finale, juste avant le conditionnement. Les ingénieurs ont établi donc que trois facteurs, donc là c'est dans le contexte des plans d'expérience, hein, je précise, les ingénieurs ont établi que trois facteurs, la température, la durée, la concentration de la solution de nettoyage, sont les principales variables d'entrée qui affectent la propreté des fourrures. Donc là c'est nos X. Donc après avoir nettoyé chaque pièce, les personnes chargées des expériences plongent le fourré dans un solvant. Elles font évaporer le solvant et mesurent les résidus. Et le but ici, c'est identifier les paramètres de procédé qui produisent la plus petite quantité de résidus. D'accord ? Donc c'est juste pour vous donner le contexte, pour illustrer le propos. Donc ici, on a besoin de définir, d'identifier que pour améliorer ce procédé et réduire donc cette quantité de résidus, on a besoin de réduire la quantité de résidus par au moins 5 unités. Ça, c'est la variation qui correspond à la différence que je veux détecter. D'accord. L'écart type des résidus, on a une estimation qui est de l'ordre de 2 unités. Donc en d'autres termes, ça veut dire que la quantité de résidus que je veux détecter en termes de variation, pour la différence, correspondrait à peu près à 2,5 fois l'écart type. D'accord. Et donc à partir de là, on veut déterminer le nombre de répétitions nécessaires dans un plan factoriel complet, où j'aurai 3 facteurs, pour détecter cette différence de 5 unités avec une puissance d'au moins 80%. Donc le but ici, ça va être de définir
est-ce que avec ce plan d'expérience, j'ai besoin d'utiliser une seule répétition, deux, trois, etc. Donc pour définir comment je vais construire mon plan, je peux utiliser en amont cet outil pour qualifier justement quel type de plan je vais construire et comment je vais le construire. D'accord ? Donc là, j'ai fait un récapitulatif des données que j'ai présentées juste avant. Donc on a trois facteurs qui ont chacun deux niveaux dans ce plan. Si on fait un plan complet, on part sur l'idée de faire 8 essais pour ce plan factoriel complet. L'effet, c'est ce que je veux détecter en termes de variation. D'accord ? C'est 5 unités, l'écart type, la puissance. Et en rouge, ici, c'est ce que l'on recherche. C'est la donnée qui nous intéresse. D'accord ? Donc si je bascule sur Minitab. Donc dans Minitab, j'ai une fonction aussi qui permet de faire l'analyse de la puissance lorsqu'on est dans le contexte d'un plan factoriel où tous les facteurs ont deux niveaux. Que ce soit aussi bien du plan complet que du plan fractionnaire. Donc là, on est sur l'idée du plan complet, c'est-à-dire je teste toutes les combinaisons possibles entre les niveaux des facteurs qui sont les trois facteurs prédéfinis. Donc ici, le principe, c'est assez similaire à celui de tout à l'heure, sauf que là, on a des informations à fournir en plus à Minitab pour qu'ils comprennent aussi la nature du plan que vous allez construire pour évaluer justement cette puissance associée au nombre de répliques qu'on va utiliser. Donc le nombre de facteurs ici, c'est une donnée que j'ai, c'est 3. Le nombre de sommets, c'est ce qui équivaut au nombre d'essais expérimentaux. Quand on parle de sommet, c'est en référence aux sommets du cube qui sont... C'est la représentation mathématique qu'on utilise pour les essais expérimentaux d'un plan d'expérience. Donc là, si je pars sur un plan complet, je mets 8. Si je partais sur un plan fractionnaire, bah, je le fais sur cet exemple-là, mais ce n'est pas le but, j'aurais pu mettre 4 pour dire je vais utiliser un plan en fraction 1/2. C'est comme ça que Minitab comprend qu'on utilise un plan complet ou un plan fractionnaire. C'est en fonction du nombre de sommets que l'on prend en considération. D'accord ? Ensuite, il faut renseigner 3 de ces 4 éléments pour que Minitab puisse calculer le quatrième dans n'importe quel ordre. D'accord ? Donc moi, qu'est-ce qui m'intéresse ici ? C'est le nombre de répliques. C'est-à-dire, est-ce que je dois répliquer mon plan de base qui comporte 8 essais une seule fois, deux fois, trois fois, etc. Sachant qu'à chaque réplique correspond 8 essais. Donc si je fais 2 répliques, je vais devoir utiliser 16 essais. Si j'en fais 3, c'est 24, et ainsi de suite. Donc là, c'est ce que je recherche. Donc je laisse ce champ-là vide. L'effet, on l'a défini, c'est 5. La puissance... On veut au moins 80%, donc rien ne m'empêche de mettre des puissances alternatives pour voir comment évolue le nombre de répliques et que je puisse faire un choix éventuellement par rapport à mon contexte. Ici, je n'ai pas de points centraux, mais ça, c'est quelque chose que l'on peut intégrer aussi pour tester dans le cadre de plan factoriel la notion de courbure et voir si ça vaut le coup de passer vers un plan de surface de réponse. Et l'écart type, il est de 2 unités. D'accord ? Donc là, j'ai simplement saisi les données que j'ai résumées par rapport à ma problématique. Et si je fais le calcul... Alors, je vais m'appuyer là-dessus parce que je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais vous lire les résultats parce que je sais que j'étais au fond de la salle et on ne voit pas très bien toutes les valeurs numériques. Donc, je vais essayer de vous les lire ici pour que vous puissiez bien prendre en compte tout ça. Donc là, on résume. Donc, j'ai un plan factoriel à 2 niveaux avec un alpha de 5% qui correspond à un niveau de confiance de 95%. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire varier, mais c'est ce qui est utilisé par défaut. Un écart type supposé de 2. Un plan où j'aurai 3 facteurs, le plan de base c'est 3 facteurs 8 essais, donc un plan complet. Pas de variable de bloc, pas de points centraux. Pour détecter un effet de 5 unités, on me demande d'utiliser 2 répliques. Avec 2 répliques, ça me donne un total de 16 essais. Et ça me permet d'atteindre une puissance surtout de 99,13%. Donc ça veut dire que si je fais des essais expérimentaux et je constate des écarts de plus de 5 unités entre certaines configurations, j'aurai 99% de chance de le détecter. Donc, ce plan-là, si j'utilise 2 répliques, il sera tout à fait capable d'évaluer l'impact relatif de chacun des effets si jamais j'ai la réponse qui varie par plus de 5 unités de variation. D'accord ? Donc là, avec cette puissance, il n'y a pas de problème, je peux y aller les yeux fermés. Parce que j'ai suffisamment de précision pour détecter cette variation-là en ce qui concerne le nombre de facteurs et la variabilité donc du procédé. D'accord ? Mais voilà comment je peux le définir et le vérifier. Alors, il y avait une petite chose supplémentaire qui intervient dans le contexte même de l'analyse, que je reprends ici. On vous dit, pour la collecte des données, seuls 8 essais peuvent être réalisés par l'autre solution nettoyage. Si je mets plus de 8 pièces dans ma solution, elle perd en efficacité. Donc ça veut dire que dans ces cas-là,
si on choisit un plan qui requiert plus de 8 essais, on doit ajouter une variable de bloc qui permettra de dire ou de représenter la variation due aux différents lots de solutions de nettoyage. Parce que tout simplement, imaginons que j'utilise deux bacs différents ou que j'utilise, je change la solution de nettoyage après la première série de 8 essais, je n'ai aucune garantie que je vais être exactement dans les mêmes conditions expérimentales. D'accord ? Donc il faut que je puisse tester ça pour définir si effectivement la première série du TC, elle correspond bien en moyenne à la deuxième série d'essais en termes de mesure de la réponse. D'accord ? Et pour pouvoir l'évaluer, il faut que j'intègre une variable de bloc dans mon plan. Or, dans l'analyse que j'ai fait juste avant, alors ici, décidément. L'analyse que j'ai fait juste avant, on vous dit ici, il n'y a pas de bloc. Donc si je veux incorporer les blocs dans le plan, il y a une option pour ça qui permet de dire, ici, je définis deux blocs au lieu d'un seul. Donc quand on dit un seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable de bloc, on effectue tous les essais dans les mêmes conditions expérimentales. Si je mets deux, ça veut dire que j'ai effectué les essais expérimentaux dans des conditions différentes. D'accord ? Donc si je valide, la puissance... C'est ça qui va changer un petit peu. Elle va passer de 99,13% à 98,8%. Donc la variable de bloc, l'avantage, c'est qu'elle vous évite d'utiliser des facteurs supplémentaires dans votre plan et par voie de conséquence des essais supplémentaires. Parce que qui dit un facteur de plus, dit plus d'essais. Si je passe à un plan où j'ai 4 facteurs, je passe à 16 essais par défaut. D'accord ? Sur un plan où tous les facteurs ont 2 niveaux. Donc c'est une alternative qui vous permet de limiter le nombre d'essais dans un plan d'expérience. Et on voit que la puissance, elle est très peu affectée par cette variable de bloc. Donc c'est un outil qui peut être relativement intéressant à utiliser. Alors pour variable de bloc, vous pouvez avoir par exemple la journée de l'expérience. Les essais sont tellement longs, vous ne pouvez pas en faire autant que vous voulez dans la première journée. Vous pouvez avoir 2 bancs d'essais à disposition pour faire les essais. Pourquoi pas les utiliser pour gagner du temps sur l'expérimentation, etc., etc. Donc ça, c'est une façon de procéder aussi. Alors après, la question qu'on peut se poser, et je terminerai avec cette dernière partie, c'est, ok, on me demande d'utiliser 2 répétitions, donc 16 essais au total. Maintenant, si j'en utilise qu'une seule, quelle est la capacité de mon plan à détecter cette variation? Et comme ça, je peux prendre ma décision en connaissance de cause, sachant que là, cette valeur de 2 répliques, c'est le nombre minimum. Si moi, physiquement, je peux en faire plus, c'est pas un problème, ça me donnera une meilleure estimation de la variation de la variance expérimentale. Donc ça me donnera encore davantage de précision. Après, c'est pas forcément une obligation que de le faire, mais là, ça vous donne le nombre minimum de répliques à faire. Alors, si je calcule la puissance associée à une seule réplique, donc j'ai juste besoin de modifier cela, je vais dire que j'ai une réplique ici, et ensuite, j'enlève la valeur de puissance, mais comme j'ai qu'une seule réplique, j'ai plus de blocs. D'accord ? Donc je remets mes blocs à 1. Et ensuite, là, vous avez un message d'erreur. C'est normal. C'est juste pour l'expliquer brièvement. On vous dit pas de degré de liberté pour l'erreur. C'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment d'essais avec 8 pour tester tous les termes possibles que vous aurez dans le modèle initial. C'est-à-dire que vous allez avoir les 3 effets principaux, 3 interactions à 2 facteurs et une interaction à 3 facteurs dans le modèle complet. Donc ça fait en tout 3 et 3, 6 et 1, 7. Vous avez 7 degrés de liberté au total avec 8 essais. Donc là, soit vous ajoutez des essais supplémentaires, et on a vu avec 2 répliques, ça ne pose pas de problème, puisqu'on a 16 essais, donc 15 degrés de liberté, là, on n'a pas de mettre d'erreur. Soit, il faut dire, ici, dans un premier temps, sans le nommer, il faut que je sacrifie un terme dans l'analyse. Ça veut dire que soit je fais le choix parce que j'ai la connaissance du procédé, soit je vais faire le choix de manière probabiliste en disant que, par rapport au terme que j'ai dans le modèle, celui qui a le moins de chances d'avoir un impact, c'est l'interaction en 3 facteurs. Ça reste à vérifier, à confirmer, etc. Mais c'est le postulat que je vais faire. Donc là, j'ai une option qui me permettra de dire combien de termes dans le modèle je vais omettre. Là, j'en suis pas encore à dire je vais éliminer tel ou tel terme. J'en suis simplement à dire est-ce qu'avec une réplique, ça vaut le coup de faire ce plan-là. Donc si je mets 1 ici et je valide, je vais avoir une puissance. Vous voyez que ici, on le voit bien même visuellement, elle est seulement de 22%. C'est-à-dire que j'ai une chance sur 5, en gros, de détecter cette variation-là. Donc il est fort probable, en fait, avec ce plan-là, si je le construis avec une seule réplique, d'arriver à une conclusion qui est de dire qu'un effet principal n'est pas significatif, alors qu'en réalité il l'est, mais que mon plan n'est pas capable de le détecter correctement. Donc c'est tout l'intérêt et l'enjeu de ces outils-là qu'il faut utiliser au préalable, quand on le peut, bien sûr, avec des données existantes, des informations existantes, des connaissances du procédé, qui permettront de
déterminer précisément la capacité de votre carte de contrôle, de votre échantillon, à être représentatif et à avoir un niveau de précision dans les résultats qui soit suffisamment important. Donc voilà comment on peut... avec le temps imparti, j'ai voulu simplement montrer ces deux exemples-là, parce qu'ils correspondent un petit peu à ce dont on a parlé au cours de la journée aussi. Alors après, c'est vrai qu'on peut en faire d'autres encore, mais c'était vraiment pour illustrer comment exploiter ces outils par rapport à la définition de cette analyse de la puissance qui intervient. Et tout à l'heure, Philippe, vous montrez aussi dans l'assistant. Donc dans l'assistant, c'est avec un codage de couleurs, avec des icônes de couleurs. Pour la puissance, il y a une condition de puissance qui intervient dans les tests d'hypothèse, dans les cartes de contrôle, etc. Et quand vous avez l'icône rouge qui apparaît, c'est qu'il y a un problème de taille d'échantillon qui va intervenir. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous en rendre compte et le vérifier avant d'aller plus loin aussi au niveau de l'analyse. Donc, s'il y a des questions. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a une constante qui a objectivement permis de passer de 99 à 98. Oui. Et je me suis dit, mais d'accord, mais si mon bruit est supérieur à cette espèce de. On dirait que c'était une espèce de calcul comme une espèce de constante qui est venue diminuer en fait la précision de mon. Alors. C'est pas véritablement une constante qui intervient là, c'est plus une question de degré de liberté en fait. C'est-à-dire que pour évaluer la variable de bloc, il va y avoir un degré de liberté qui va être utilisé aussi. Et c'est ça qui est pris en compte dans le calcul de la puissance. C'est pour ça que la puissance, elle est révisée un petit peu à la baisse, parce que l'utilisation de ces degrés de liberté, donc du nombre d'essais restants, entre guillemets, pour évaluer la variance expérimentale, elle diminue un petit peu. Donc c'est ça qui joue un petit peu sur la notion de précision et sur la notion de puissance. Je n'ai pas compris dans les cartes de contrôle quel peut être l'intérêt de vouloir rechercher une variation à plus ou moins 1 sigma ou à plus ou moins 2 sigma. Oui. Donc, traditionnellement, on cherche toujours à détecter à plus ou moins 3 sigma sur une carte de contrôle. On est bien d'accord. Donc je reprends juste ici une carte pour revenir sur ce point-là. Et dans les tests des causes spéciales de variation que vous avez, il y a des tests qui fonctionnent à plus ou moins un écart type, plus ou moins deux écarts types. Plus ou moins trois écarts types. Donc ça peut être associé à l'identification de ces tests-là, par exemple. Donc voilà le contexte dans lequel on peut utiliser cela. Et dans ces cas-là, ces tests sont valables si on a une taille de... Une taille de sous-groupe qui est bien définie, oui, tout à fait, parce que... C'est pas que le test sera pas valable, c'est qu'il va peut-être avoir moins de capacité à détecter correctement la variation. Donc, si vous n'utilisez pas la bonne carte, c'est le risque que vous encourez. Sachant que la définition de ces tests-là, encore une fois, elle est définie par les manuels de référence de l'IAG, donc du SPC, et qui, après avoir fait des recherches là-dessus, ont établi que voilà quels sont les tests qu'on va déterminer, qu'on va essayer de détecter, qui vont permettre d'identifier des schémas de variation non aléatoires, puisque la carte de contrôle permet d'une part de voir que le procédé varie de façon stable entre les limites de contrôle, mais que dans le même temps, il n'y a pas de cause spéciale de variation qui peut être une cause qu'on va identifier qui ne correspond pas à la variation inhérente au procédé. Donc après, la conséquence, c'est que ça peut détériorer la capacité de la carte à détecter d'éventuels points qui posent problème sur la carte. Tout ça, c'est pour des données continues, et nous, on a essentiellement des données attributs, des DPMO, des défauts, dans les revues. Comment on calcule une taille d'échantillon suffisante pour ce cas ? Ça marche aussi de la même façon, puisque via le menu puissance effective de l'échantillon, vous avez la possibilité de le faire avec des tests de proportion, avec la loi de Poisson aussi. Donc on a des alternatives quand on est confronté justement à des données d'attributs et qui permettent de faire le travail de la même façon. Puisque vous avez aussi des cartes de contrôle qui sont adaptées pour justement voir en fonction du temps s'il y a un taux de défaut qui varie ou pas, s'il y a une proportion de non-conformes qui varie ou pas, etc. Donc ça, c'est des choses que l'on peut faire via le menu carte de contrôle. Vous avez tout un panel de cartes destinées aux attributs. Et dans le même temps, avec l'analyse de la puissance, je peux transposer ce que je viens de dire de la même façon par rapport à un test à une proportion. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Merci. On a toujours la question du nombre de pièces qu'on doit donner à chaque opérateur, au sommet de la musique, à chaque opérateur pour faire les études de GRR. Oui. Qu'est-ce qui est préconisé là ? Alors, très bonne question. Ici, dans Minitab, il n'y a pas d'outil dans le menu stat analyse de la puissance pour faire de
pour définir la taille d'échantillon pour un GRR, mais via l'assistant, en fait, on a développé donc ici une partie sur les systèmes de mesure qui permet de faire donc l'étude du RIR. Et associé à cette fonction-là, c'est un document qui est disponible sur notre site internet, que vous pouvez télécharger gratuitement, qui permet, sur lequel en fait on a publié des résultats de simulation par rapport à des GRR justement que l'on fait pour qualifier une taille d'échantillon. Et on montre à travers ces résultats de simulation qui ont été faits donc, par nos collègues, comment la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre d'opérateurs, le nombre de pièces que vous collectez, le nombre de répétitions, va affecter la qualité de votre estimation du GRR quand vous faites cette étude de l'instrumentation. Donc si ça vous intéresse, je peux vous transmettre le document par la suite, ou on peut vous communiquer le lien, il n'y a pas de souci. Pour le consulter, il y a les résultats des simulations, et parce que justement dans le menu assistant, si je fais l'étude RIR, sur la base de ces résultats-là, notamment, quand j'utilise l'outil pour construire la feuille de travail pour collecter les données pour faire l'étude RIR, on a utilisé en fait par défaut ce que le standard en fait de l'IAG recommande, c'est-à-dire au moins 10 pièces, 3 opérateurs de répétition, sachant qu'on peut faire un peu plus, un peu moins selon les situations. Mais bien qu'on ait ici 10 pièces, 3 opérateurs et 2 répétitions, ça peut s'avérer insuffisant par rapport à ce que vous avez éventuellement comme données historiques du procédé. Donc, si vous avez une connaissance préalable par rapport au procédé, ça peut vous permettre de qualifier votre système de mesure avec suffisamment de précision. Si vous n'avez pas d'historique sur le procédé, ça peut être insuffisant. Donc après, la taille d'échantillon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter, et ça va affecter notamment le nombre de pièces à collecter avec cette configuration-là du nombre d'opérateurs et du nombre de répétitions pour arriver à atteindre suffisamment de précision dans l'analyse et dans l'estimation de votre GRR. Donc le document est disponible sur le site internet, vous pouvez le télécharger, il est en libre consultation. Et tous les documents d'ailleurs qui accompagnent le menu assistant, les fonctions du menu assistant, se trouvent également disponibles sur cette page. Pour info, si vous voulez le retrouver rapidement, vous allez sur le site internet, le moteur de recherche, vous tapez « technical paper » et vous tombez dessus directement. C'est bien, on va passer à la session suivante. Pas de problème. Merci.